commence. Toi, tu vas mettre trop de temps. Laisse-moi le faire. أول مرة شيء ذا جميل Hey guys, I am super happy to introduce you to my first guest on this channel. وهي my best friend Kiki. الكل بدي يعرف لي كيكي on the internet. لقيت ما بيعرفها بعد. كريستي is my best friend. تعرفنا على بعض بالجامعة. كنا تاني سنة وقتها بلشنا نتقرب و since من وقتها we are still very close. Today قررنا أنا وكريستي نعمل une vidéo à l'occasion de la journée internationale de la femme. So حبينا نحكي مش بس عن des femmes de la littérature ou bien de la... بس أكيد رح يكون في. Obviously. حبينا أنا وكريست اليوم نقي دي فام منهم هالقد مشهورين ومنهم مقدرين لشغلهم فحبينا نحكي عنهم على انترنت حطيناهم ببول هيك صغير فيهم الأسامي سو شوي شوي حنشيل اسم وحنحكي عن كل اسم حيطلع معنا أوكي؟ يلا Let's get started! Quel regard suggestif! Avec plein de sous-entendus! Là! Maud Stevens Wagner. Wow. Impress us with your knowledge. أنا بعرف إنه مود أتي la première femme aux États-Unis à être tatoueuse. كل tous les Américains كانوا يروحوا لعندها pour être tatoués. Ou je sais qu'elle travaillait dans un cirque aussi. Elle travaillait comme trapéziste. Et tous les gens venaient juste pour assister à son tour de trapèze. Elle s'est même mariée. À tatoueur ou bintun kamen pour la tatoueuse. C'est lui en fait qui l'a introduit au début au tatouage alors que c'était très tabou pour les femmes à l'époque. Ben, elle a tout changé. Regardez sa photo là, elle est couverte de tatouages, très cool, très artistique and c'est mon rêve. Ok, peut-être que je vais être close enough. Elle a inspiré tellement de futures tatoueuses et tatoueurs qui se sont vraiment lancés dans ce nouveau monde artistique. Yalla, go! Abhirina. Nancy Wake. Cool, ok, I love her. Bon, Nancy Wake, elle est néo-zélandaise et australienne. Elle avait 16 ans quand elle a quitté la maison de ses parents. Oui. Et elle est allée rejoindre la résistance française pour combattre les nazis. Et elle arrivait toujours à échapper à la Gestapo, la police allemande. Au point même qu'on la surnommait la souris blanche. La souris blanche. Elle était la personne qu'on voulait le plus attraper. Mais son tir était le plus fort, le plus réussi. Et on n'a jamais réussi à le rattraper. C'était une super espionne. Elle écoutait tout. C'est trop cool. En plus, elle a reçu tellement de prix après la Seconde Guerre mondiale. Au Royaume-Uni. En France, aux États-Unis, elle nous jette tellement de prix. So cool. Be like Nancy. Mary Anning. Mary Anning était une paléontologue. Mettez-les en France, yani. C'est une. En fait, être une paléontologue, c'est quelqu'un qui est en train d'étudier les fossiles. C'est à la Mary Anning qui est mardoumée. La Henry qui est allée chez ses parents à la mer. ففي نهار على شط البحر en fait sur un rocher لقيت une forme bizarre avec des os هيك شيء غريب على البحر و grâce aux outils de ses parents de son père اكتشفت que c'est un fossile de dinosaure. C'est l'un des premiers dinosaures من هيدا النوع يلي اكتشفته هي entre un poisson et un lézard. 100% ومن وقتها كل ما بدهم يدرسوا هيدا النوع تبع الديناصور دائما بيرجعوا لها Mary Anning. Dorothea Tanning. Cool. So, Dorothea Tanning, c'était une femme qui a participé au surréalisme, pas seulement en tant que muse, parce que pour ceux et celles qui connaissent le mouvement surréaliste, les femmes étaient plus... elle était à la fois création et créatrice. Elle était des autoportraits.
autoportrait même érotique. C'est une des premières femmes qui a fait de l'art érotique. Érotique, et c'est très cool. Où elle s'inspire. Il y en a des autoportraits vraiment très cool. Ça, la tatel qu'on a un autoportrait birthday. Amleto. Ou ok, akid fi Frida Kahlo, etc. Mais Dorothea Tanning vraiment, voilà, mal qu'elle s'est ma fille. 100%. Ouais. Surtout dans le mouvement de l'art, on entend souvent parler de Frida Kahlo et les gens sont, il y en a rarement les gens connaissent des artistes féminines, surtout dans la peinture. Sauf voilà, c'est tout à fait quelqu'un. D'ailleurs, que tu savais. Le pot, le bol. Sorry, pardon. Ellen Johnson Sirleaf. Que j'adore cette femme. C'est une des premières femmes à être présidente en Afrique. En fait, c'est la première femme à être. Ah bon. C'est la première femme qui a été présidente en Afrique. Elle a été présidente de 2006 à 2010. Oui, elle a été élue de nouveau en 2011. 100%. On l'a tellement aimée qu'on lui a revoté dans les nouvelles élections. Elle a même gagné plusieurs prix, dont le prix Nobel en 2011. Oui, le prix Nobel de la paix. Elle était très connue pour son leadership, c'est ce qu'on dit. Ensuite! Ok, Madame Lalion. Yes. Lella Lombardi. Ok, ça c'est pas trop mon domaine d'expertise parce que Lella Lombardi, she was a Formula One driver. أول مرة شاركت already so cool she got there بس أول مرة شاركت ما ربحت أوكان بخي بس تاني مرة on the span she got a super good team a super cool car و elle a gagné le 6e prix which is so cool. بس البتع انه السنة اللي بعدها قد ما انزعجوا التيم تبعيتها انه طلعت parmi les premiers قرروا يشلوها من الكومبيتيسيون و basically ils l'ont délaissé 100% و بس تل ولا حدا بعد وصل à son niveau. Aucune femme وصلت بعد elle a battu son record. Honnêtement on n'entend pas souvent parler de femmes pareilles non, de femmes qui conduisent des super cool voitures. And honestly انا ما بعرف كتير انت بتعرفي ma voiture est plutôt cool. يلي بسمع بيقول عم بتسوق شي لامبورغيني طب بحب انا سيارتي بعرف بعرف خلص سوري بيلي سوري بيلي. يلا فينا ننتقل لشي ثاني خلينا لا ريتا مونتالسيني. اوكي سو ريتا كانت اون اتيديانت ان ميدسين و سيتي اون جويف une juive pendant la période de l'occupation allemande au moment où les nazis qui nous menaient les juifs ils ont allé jema elle a fait le master ou a fait une autre laboratoire c'est super cool où elle passait tout son temps à étudier les cellules sous le microscope. Ok, où elle a gagné le prix Nobel de la médecine. C'est pour ça on devrait lui rendre hommage. Hommage. Bien. Yeah. On arrive à la fin. Bartfi deux noms. Monique Wittig. Oh my god, j'avais trop hâte de parler d'elle. So, ok. Monique Wittig, c'est à la fois une romancière, une philosophe, une théoricienne, féministe, militante française. Et ça ne serait pas une vidéo avec moi si je ne parle pas des gender studies. Elle a trop contribué aux gender studies. Elle a écrit un livre super cool intitulé Les Guerrières qui met en scène un monde de femmes, d'accord, totalement habité par des femmes. Elle va de cette façon remettre en question toutes les images stéréotypées reçues sur les femmes. Et à un moment, ce monde va être envahi par les hommes. Et il va y avoir une lutte entre les hommes et les femmes. Oui, et, mais certains hommes, ce qui est très cool, c'est que certains hommes vont aller rejoindre les femmes Amazon pour combattre les autres hommes. Donc c'est comme ça, c'est comme... Ça met en scène vraiment les problèmes de la société et les idées qu'on doit déconstruire jusqu'à aujourd'hui. 100%. J'adore. Je vais vous mettre le titre de son roman parce qu'elle l'écrit d'une manière très bizarre. Elle l'écrit guerrière, donc pour accentuer le fait que ce sont des guerrières. Trop cool. J'aimerais trop le lire, ça là. Ok, tu sais qui il reste. Ouais. Et elle, Adnan. Ok, j'avais trop hâte de parler de Etaya Adnan puisque c'est une écrivaine et une artiste à la fois libanaise. Je l'admire beaucoup, Awashi, pour son art,
C'est un art très coloré, très good vibes. Et on est allé voir une de ses expositions à la galerie Sphère Semblée, oui, qui s'appelle La Résurrection des couleurs. C'était magnifique. C'est plein de couleurs vibrantes, c'est 100%. Tellement vivant. C'est très vivant. Aslan Aranjad, elle est tellement fascinante, elle écrit dans 3 langues. Donc c'est fou, en français, en arabe et en anglais. Donc tout le monde peut la lire. J'adore aussi qu'elle est de différentes cultures. Son père était musulman turc et sa mère était chrétienne grecque. Donc elle a mélangé toutes ces cultures et elle a vécu dans 3 pays différents. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque j'aimerais faire une vidéo sur elle. Mais elle a lié à la fois la littérature et la peinture dans une œuvre qu'elle a, dans une technique qu'elle a inventée qui s'appelle les Leporellos. On en a vu à l'exposition. C'était très cool. Je vais sûrement en parler dans une autre vidéo. Soit sur ce, on aimerait vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Merci Kiki d'avoir participé à cette vidéo. Merci parce que tu m'as invité. I had fun. On va sûrement avoir l'occasion de revoir Kiki dans d'autres vidéos, si tu acceptes. Kids! Ok. Je suis super contente d'avoir parlé et honoré certaines femmes que vous ne connaissez pas. Problème avec le comment section. Si vous connaissez ces femmes, pour qu'on en discute un peu plus. Il y a d'autres femmes que vous connaissez aussi, qui ne sont pas assez connues. Donc, ktubulna kel hole. Wa idha habaytou l-video, please subscribe, wa hatou li like. Wait. Bonne fête internationale de la femme. Let's get rocky. Bonne sorte. Ah, mais tu n'as pas fait! Maud Stevens Wagner. Bravo Maud. C'était quoi ça? Bravo Lella Lombardi. Yeah, look.